Parce que du coup maintenant ouais, voilà. Donc là du coup ce que je vais faire en fait c'est que je vais m'équiper d'un anneau de protection pour le poison. Voilà. Même si ça protège que dalle en fait, ça retarde l'inévitable. Voilà. Je pense que c'est bien dit comme ça parce que on est obligé d'être empoisonné dans cette zone. C'est un peu la merde. Alors on a pas mal de vie, on a un peu d'endurance. Ouais. Voilà, voyez un peu comme ça protège bien du feu. Ça protège vraiment bien du feu. Hein. Franchement, là, je suis pas déçu pour vous. J'aurais peut-être dû racheter des herbes. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Attends, du coup, là, je dois me laisser tomber. Oui. Voilà. Là, je commence à me demander. Lotus Royal. Ah oh, putain, ils sont gentils dans cette zone. Hein. Ils sont sympas. Sachant que si je suis empoisonné, en fait, je gagnerai moins de vie. Ouais. J'ai plus besoin de Stano, attends. Donc du coup, on va pouvoir mettre ces deux-là. Nickel, allez go. Alors le chemin, je sais qu'en gros, il faut suivre les lanternes. Grosso merdo, tu suis les lanternes. Ça risque d'être fail party. Hein. Vous pensiez que j'avais galéré au monde 5, hein? Pauvre ignorant. N'avais rien vu du vrai monde 5. Empoisonné, bah ça m'aurait étonné, tiens. Un lotus. Ce tant qu'à faire, on en a pas mal. Petite herbe. Et on est reparti pour un tour. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Là, par contre, il y aura des ennemis un peu coriaces. En fait, je veux vraiment esquiver au maximum les gros trolls. Je veux vraiment pas avoir affaire à eux. Il faut passer par là. Il y a des moustiques, il y a tout ce que tu veux, c'est juste infernal. Jamais, c'est qu'ils ont un mouvement de recul en plus, donc c'est parfait, tu sais, ils te laissent passer. Je le vois comme ça, moi. Un peu raté pour le coup. Oh oh. Oh là là, les FPS qui chutent. Il n'y a pas que moi qui chute là, c'est les FPS aussi. Alors, les moustiques. On a des moustiques, on a des gros trolls, on a 15 FPS. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Je crois qu'on va bien s'amuser dans cette zone, hein, voyez-vous. Si je passe par là, il y a deux trolls qui vont me sauter à la gorge. Il me semble, hein. Donc je vais plutôt... Oula, il y a des bugs là. Sur... Non, mais je ne veux pas... Je veux juste passer en mode course. Pas faire de roulade, juste courir. Alors on va essayer d'éviter le mage. Ce que vous entendez, c'est le mage. Le mage troll qui fait son connard. Et me retrouver coincé.
Putain, on est à combien de FPS là? Regarde-moi ça, c'est injouable! Ah putain, ça revient. Oh non, oh non, 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 j'y étais au boss là, je le sentais. Je pouvais sentir son haleine. Bon. Soigner déjà. Ah ben, bien soigner. On va prier pour que ça se passe bien. Alors attends, non, mais là je sentais que j'étais pas loin, merde. Merci. Il me semble que là je suis pas loin du boss là. Ouais, faut monter. Bonjour monsieur le chaman. Oh yeah. That colosse. Bonjour, immonde putréfaction. Par contre, ça lui fait réellement rien, ce jeu. Ah merde, putain, il m'a chopé avec son truc. Par contre, quand il te met un coup, il rigole pas. Putain, c'est pas vrai, j'arrive pas à esquiver son coup de poing. Je sais pas ce qu'il ressemble à rien, ce mot. Ça c'était gratuit. Putain, il m'a remis sa merde là. Putain. Ça te soigne même pas. Ah, trop gourmand, putain. C'est en train de... Oh là là là, non, non, c'est le pire moment de choper cette merde. Merde. Puissante. Putain, fais chier. Putain. C'est la première fois que le combat dure aussi longtemps. Mais c'est cool, ça permet de l'apprécier, surtout si je meurs pas. Ah, j'avais jamais remarqué, regardez. Oh. Si vous regardez sur son côté gauche de la tête, il y a, bah, c'est sa tête. What the fuck? Le mec, il a une arme automatique guidée, je sais pas ce qu'il a, mais c'est... Le mec, il a une arme auto-guidée, tu sais, de poison. Thank you.
Peste de bouille. Oh bah j'en ai plus rien à foutre de choper la peste ou je ne sais quoi. Alors là. On va quand même rentrer au Nexus avant de mourir, parce que ce serait quand même vachement con. Là je suis en train de crever, regardez les dégâts. Âme de démon érodée, touche archipierre, oui. Voilà. Le monde 5-2 c'est fait, on n'en parle plus, au revoir, merci. Oh bordel. La joie qui m'arrive là. Ouh. Putain. Oh bordel. Oh ouais. Oh ouais. Ce boss de l'ennui. I am here too. Ouais, to fuck me. Répare mes armes, mon ami. Nous avons encore du pain sur la planche. Et puis je vais t'acheter encore quelques herbes, pas beaucoup parce que bon, voilà. Je sais pas, une trentaine, allez, c'est déjà pas mal. Trentaine, ça fait quoi, 4500, c'est du vol. C'est du vol. D'accord. J'ai rien à te donner, toi aussi. Je... Ouf, non. Rien de spécial à te donner. Rechercher. Endurance. From its vessel. Let strength be granted so the world out of the main. How about that? Remarque, si on crame encore. Ouh, c'est quoi ça? Démon grouillant, seigneur des sangsues. Putain. Les âmes, elles sont tellement toutes bizarres, tu sais. Soldat, c'est vrai. Voilà, 20, 11, 24, 30, 10, 10 et 12. Je vais augmenter un petit peu ma foi de 1 point, je crois. Ça sert pas à grand chose. C'est pour maîtriser un petit miracle ou deux, tu sais, histoire de. Bon. Est-ce qu'on se garde Garl et Astrée pour un peu plus tard ou... Non, on va se les faire maintenant, allez. Hein. Autant terminer le monde maintenant qu'on y est. Donc on se fait ça, après on réessaye l'autre boss de merde là, et puis on verra. C'est le monde 4-2, je le sens pas trop. Le boss est pas très compliqué, c'est le niveau qui est un peu chiant. Le niveau il est un petit peu relou. Lotus de la veuve. Putain, à la base je me suis dit, allez, aujourd'hui on se fait tous les archidémons. Quelle galère. Go forth, Galvinland. May you be unharmed. En fait, il était en train de piquer un roupillon, tu sais. Il est là, né. Leave us, slayer of demons. This is a sanctuary for the lost and wretched. There is nothing here for you to pillage or plunder. Please. Leave quietly. Alors, on va juste changer d'anneau pour un anneau. Ah, j'ai rien de spécial à mettre hein, vu qu'il attaque ni au feu ni au poison. Il y aura malin au cas où. Mais... Cette musique, cette ambiance. 20 sur 20. T'es sur mon chemin. You will turn back on you. I shall let no harm come to dearest destroyer. May you rot in the deepest.
Hein ? Ça me saoule. Je crois que tu faiblis, mon Carlino. Alors, ne croyez pas, s'il vous plaît, ne croyez pas que ce mec est faible. S'il vous plaît. Il craint, en fait, il craint les dégâts physiques à mort. Il est, enfin, la magie, il craint pas. Le feu, comme d'hab, j'ai jamais essayé. Hein. J'ai jamais essayé de me faire un run avec que du feu. J'ai jamais essayé, donc je ne sais pas. Mais les dégâts physiques, ben, pff, ouais, si vous faites très mal, forcément, ça va lui faire du dégât. Bon, qu'est-ce qu'on fait Choix numéro 1. Choix numéro 1. Comment je pourrais dire? On y va, on lui parle et elle se suicide. Choix numéro 2. On y va et on la bourrine. Le choix est trouvé. Pour un la peste, rien à foutre, allez, avance. Mon Dieu. This is our home. We have done no harm to you. Putain, mais oh, elle est plus costaud que ce que je croyais. Finalement, j'aurais mieux fait de lui parler. J'aurais mieux fait de lui parler, putain. Est-ce que c'est encore trop tard pour te parler? Putain, je suis en train de crever, là. Attends. J'en ai pas d'autres de Lotus de la Veuve, je crois. J'ai même pas fait gaffe. Si, j'en ai encore deux. Mais... Oh bah d'accord, j'ai mis un orteil. J'ai mis un orteil, putain. En plus, je peux réellement pas courir. You killed him, didn't you? Ouais. Very well. I can no longer resist you. Excusez-moi, j'ai dû faire passer, sinon je vais mourir. Ah, le temps qu'elle meurt, le démon est détruit, tatata. Âme de démon de sang pur, bague de prière sincère. Toucher l'archipierre, retourner Nexus, et oui! Voilà. J'aurais même pas eu le temps de faire tout ça. Donc j'étais obligé de faire passer le dialogue. Là, vraiment, c'était à cause de ma barre de vie. Je pensais qu'on pouvait courir, mais même pas. En fait, le marais, il est tellement haut que tu peux rien faire. Encore toi! Ça va. Hold the mind, key to life's ether. Amen. Eh bah dis donc, en très peu de temps là, on a monté en level comme un sac, hein, putain. Réparé. Voilà. Déposer. Bouclier en argent sombre, je vais peut-être le garder, je ne sais pas encore. Après, pour toute l'armure en argent sombre... Yeah. Je vais regarder. Est-ce que ça m'irait bien? Oh putain, au niveau des stats en tout cas, ça a l'air d'être ok. Je vais voir le niveau du poids. Ah, elle est plus lourde, mais bon, vu que je porte que ça... Oh putain! Je ne suis plus en slip! Putain, il est même classe comme ça. Il est même pas mal. Bah écoute, je prends. Okay. Je suis en kilt. Je ne porte rien en dessous. Allez, yeah. Je garde. En souvenir de Garl, qui est vraiment le personnage que j'adore le plus dans ce jeu. Alors maintenant... alors le truc, c'est que j'aurais bien aimé en fait avoir le marchand pour avoir un truc blanc qui colle à acheter. T'en as pas acheté, toi d'ailleurs.
Si, il en a... 5000 ! What ? 5000 pour un truc blanc qui colle ! Putain. Je vais en acheter... un ou deux. Attends, j'ai regardé combien je peux... Mes âmes servaient surtout à ça, donc vas-y, fais voir. Putain. Bon, ouais, je vais pas en acheter la masse. Hein. Bon, un seul, hein. Putain, mais quelle arnaque! Tout ça pour acheter du sperme, quoi. Truc blanc qui colle. Je sais pas si tu te rends compte, quoi. Le truc blanc qui colle. On dirait, tu sais, un pari entre dans la bande de traducteurs, là. Vas-y, t'es pas capable d'écrire ça et tout. Ah, tu crois? Tiens, bim, il passe en gold. Allez, on passe. What? Putain, truc blanc qui colle, quoi. La traduction de merde. En japonais, je sais pas comment ça s'appelle, ni en anglais. Je me demande vraiment. Ouais, je regarde sur les wikis, ça peut être très intéressant. C'est vraiment n'importe quoi, pour le coup. Bon, on a tué deux gros archidémons aujourd'hui, des mondes que je déteste. Ce que j'aime pas, c'est que le démon là, que j'arrive pas, il protège l'archidémon donc du monde 2, hein, mais qui est nul à chier. C'est du foutage de gueule, c'est comme le moine sénile, quoi, c'est du foutage de gueule. Le boss d'avant, il mériterait d'être l'archidémon, quoi. Enfin. Je sais jamais ce par là. Ouais, notre ami n'est pas là. Par contre, il y a un gros lézard. Grand éclat de pierre dure, éclat de pierre cristalline. Parfait. Notre poteau n'est pas ici. C'est dommage. Maintenant. On voit tellement rien, tu sais. Donc en fait, typiquement, contre ce genre de mob, si j'utilise cette arme-là, je leur ferai vraiment aucun dégât, quoi. C'est juste la petite notion à avoir. Bon. Bague du voleur. Donc en fait c'est pour enchanter l'arme, donc du coup normalement ça devrait faire beaucoup plus de dégâts. I'm back! Où est-ce qu'il est ? La musique s'est lancée, j'ai mis mon costard. Je ne comprends pas où est-ce qu'il est. Thank you.
Buff est perdu, j'ai raté ma chance. Bon. Ben, phase 2. Putain, au pire moment, quoi. Taste de bouilla. Ouh. Eh ben. Et ne jamais, alors jamais sous-estimer le sperme de Pat. J'ai gagné grâce au sperme de Pat Lyon qui a été enchanté à mon arme, enfin, appliqué à mon arme. Âme de démon rouge feu, parfait. Et oui. Oh non mais oh putain. Ne jamais sous-estimer la puissance du truc blanc qui colle quoi. Au moins, vous le saurez. Putain, sans déconner, quoi. Je pensais pas qu'on aurait une telle puissance de feu. Et puis merci à la massue. À la massue, la masse bénie. Bénie par le bouillat, bien sûr. Oh putain, recherche pouvoir d'âme. D'accord, je peux monter de 1 niveau, c'est une véritable arnaque. Je veux pas les améliorer, je veux déjà les réparer. Voilà, de toute façon, je repasse dans 2 minutes. Ah. Est-ce que j'augmente en niveau maintenant? Ouais, allez. De toute façon, j'en ai encore plein des âmes de soldats. Parfait. Non! Il manque rien! Fous-toi de ma gueule, connasse, quoi. En tout cas, ma technique a marché. Hein. Je me suis dit, putain, il faudrait que j'ai quelque chose. T'es un petit buff de merde, tu vois, rien du tout. Et j'étais là, mais qu'est-ce qui permet d'avoir ton arme en magie? Et je réfléchis, j'étais là, ah ouais, le truc blanc qui colle. Mais je pensais vraiment pas que ça marcherait aussi bien sur ce boss, putain. Du coup, dégâts magiques, ouais, il aime pas. Et bah, c'est parti, dernier boss, du coup. Le dernier boss, putain. Ce sera le dieu dragon. Voilà. Le dieu dragon qui sera un boss absolument moisi. Et si je meurs, on pourra se foutre de ma gueule. C'est parti pour le boss. Dieu dragon. Alors je sais pas comment t'as fait pour me voir, mais très bien. Alors si en fait on se fait voir, il y a les yeux qui passent au rouge, et si c'est où t'es, alors là. Alors laisse-moi te garantir que tu vas passer un sale quart d'heure, hein. Il va te mettre un Falco Punch dans ta gueule. En fait, ce qui fait que ce boss est naze, c'est qu'en fait vous devez avancer vers ces espèces de balistes. Là, il y en a une là, vous voyez, elle s'illumine.
pour les planter dans le dragon. Voilà. Le problème, c'est que le passage est bouché. C'est un puzzle boss. Un puzzle boss moisi, hein. Un puzzle boss quand même. Comment il m'a vu ? Je suis derrière le pilier. Je suis mort. Foutez-vous de ma gueule, c'est bon, c'est bon. Je suis derrière le pilier, s'il te plaît, comment il m'a vu ? Ah oui, je t'ai pas dit, le boss, en fait, il y a une mise à jour, et maintenant, il voit à travers les piliers. Ouais, c'est un peu dommage, en fait, mais bon. Qu'est-ce que je te dise ? D'accord, donc le boss voit à travers les murs. C'est très bien. Ça m'arrange vraiment. Je suis con, je mets la bague du voleur avec la bague collante et puis voilà. Un petit coup de d'herbe de croissante lune. Et c'est bon. Putain, par contre, comment je suis bleu. Comment je suis tout bleu. Avec la bague du voleur, c'est vrai que ça passerait peut-être beaucoup. Regarde ça. Il sait même pas que je suis là. Et là, je crois qu'il crache des flammes à cette distance. Tu vois, alors que là, on me voit carrément. Il y a facilement de 30% de moi qui sort du truc, mais ça va, c'est pas grave. C'est vrai que ça va être un peu compliqué avec des armes comme ça. Là, il me faudrait une arme à distance, en fait. Moi, je sais qu'avant, j'utilisais ma magie. C'est passé tout seul. Encore, oui, la magie, toujours. La magie est roi dans les jeux Souls, qu'est-ce que vous voulez jouer ? Frère, je suis le boss trop puissant. Tu ne peux pas me battre. Je suis tellement puissant que j'ai installé un système permettant de me tuer juste à côté de toi. One shot ? Ah, carrément. Ah ouais, carrément. Putain, tout à l'heure, il m'a eu en deux coups larges, là. Que dalle, quoi. One shot, ok. Et je sais pas, tout à l'heure, je comprends pas ce boss. Tu te mets derrière les poteaux, il te voit quand même. Très bien. Tu sais, quand tu vois qu'il charge son poing, là, tu te dis, ah, je crois que j'ai perdu. Parce que Oukta, il touche, en fait. C'est très, très, très rare que... Vraiment, il ne touche pas. Putain, mais cette aura que j'ai là. Eh ben, je pensais pas crever deux fois de suite contre ce boss, tiens. Je pensais y arriver du premier coup sans aucune difficulté. Ben... Peut-être se cacher. En fait, vu que le début il voit qu'à un endroit, ben c'est chiant. Regarde, genre il me voit pas. Genre il me voit pas, putain. Ouais. Donc en fait là il faut attendre qu'il regarde bien par là-bas. Ah non. Je pensais pas galérer autant. Je sais que tu es là, Raven. Je peux te sentir. Je te vois. Eh oui, mais oui, allez, crève! Oh, touché!
toucher. Ah, merci de me libérer la voie qui me permettra d'en finir avec toi une bonne fois pour toutes. Ah merde, je suis coincé. Oh non! Sérieux, même pas une chance quoi. Oh merde. Je me suis... En fait, je sais que les speedrunners font comme ça, du meilleur général. Après le premier truc, tu sais, ils passent par là, et après, je sais plus par où ils passent exactement pour revenir sur le jeu, et... Bon. Ah, j'ai voulu tenter un truc de speedrunner pour gagner un peu de temps. Bah finalement, on aura bien perdu. Alors par contre, maintenant, je sais pas si je dois recommencer tout le boss ou... Je sais plus. Il me semble qu'il faut tout le recommencer, hein, mais... Sinon, ce ne serait pas tout notre succès. Ça ne veut rien dire, hein, ça ne veut strictement rien dire. Ah, le fils de pute. Encore ? Non mais sans déconner ! Eh mais... Ah bah putain ! Ah bah alors là, je savais pas que c'était aussi compliqué à faire au corps à corps, ce boss. Putain, oh, j'ai toujours fait à la magie, ou à l'arc à la limite. Putain, tu tires dans les piliers là, et hop. Tu passes peut-être 400 flèches à la fin, mais... Ah peut-être pas quand même, mais... Putain, je pensais pas que c'était aussi compliqué au corps à corps. Oh bah alors ça, quelle grande surprise. J'aurais ridiculisé le rôdeur enflammé, alors par contre lui il m'aurait ridiculisé. Je pensais pas que c'était aussi compliqué, moi d'habitude à la magie ça passe tout seul. Du premier essai, sans même... Eh je sais pas. Comme quoi, la magie c'est vraiment le mode facile. Pourtant crois-moi, j'aime de plus en plus la magie en plus. Hein. Je sais que... J'ai joué sans magie, avec magie, mais putain, c'est vrai que c'est agréable à jouer la magie quand même. L'arc, j'ai toujours trouvé ça nul à chier. Mais où est-il ? Je ne le vois plus. Je pensais que ça se casserait plus vite en fonction des dégâts que tu faisais dessus. Putain, c'est pas passé loin. Hein. Allez, ça c'était le plus facile. Hélas pour moi. Qu'est-ce qu'on a ici ? Herbe de la nouvelle lune, parfait. Je suis frêle. J'ai aucune envie d'y retourner en plus, putain. Allez. Ah merde. Attends, je me suis raté. Oh merde. Non 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 non.
Non, tu vas trop loin, l'ami. Oh, quoi. Merci. Voilà. Voilà. Littéralement, là, je viens de gagner 10 grosses minutes. Si tu prends ton temps, comme je vais le faire, là. Je hais ce boss. Je hais ce boss. Ça y est, c'est fait. Putain, je suis derrière un pilier et il est là. Voilà, tapé. Et avec la bague du voleur. Sérieux, d'où est-ce qu'il me voit? Je sais qu'il y a des poteaux qui fonctionnent pas, parce que si tu te mets derrière, ben il te voit quand même. Mais là, c'est quand même abusé. À chaque fois que je me mets derrière un pilier, il me voit. N'importe quoi, ce bordel. Tu sais, j'étais caché, je l'entendais gueuler. Je me dis, ah, c'est foutu. J'essaye quand même. Ah bah... C'est quoi ce bruit? Il y a des bruits bizarres dans ce truc. Si c'est le dieu dragon, bah putain... Attends, en tout cas, super technique hein, pour le battre. Hein. Waouh! Putain, on esquive tout. Je l'avais jamais testé, bah putain. Super quoi, c'est bon, maintenant je le ferai à chaque fois. Ta grosse gueulante. Deux coups pour passer à chaque fois, c'est quand même vachement long. Vas-y! Mais sérieux! C'est pour ça, ce boss m'énerve, c'est beaucoup trop long si tu le fais à la manière normale, sérieux. Oh là! Tu mets un coup, tu reviens, tu mets un coup, tu reviens. Sachant qu'il doit y avoir peut-être 6-7 piliers à péter comme ça, bah putain, t'as pas fini. T'as pas fini. Oh non, on va y arriver, au dieu dragon, merde, c'est que dalle comme boss, ça, c'est de la merde. Je pensais vraiment pas galérer ça. Alors là, honnêtement, c'est la grande surprise du jour. Raven est nul face au dieu dragon. Ah putain. Ah, quand t'as pas d'arme à distance, hein. Après, c'est souvent comme ça, tu sais. Tu te dis, mais merde, je joue au cac, j'ai l'impression que le jeu est en difficile, tu sais, plus que d'habitude. C'est pas une impression, hein, la magie c'est vraiment de la merde. Calme-toi. Ça... Ok, alors, il m'a vraiment pas vu. Tu la vois l'arnaque là ou il te faut un autre dessin? tu la vois la grosse arnaque de merde ou... Là sérieux, je suis derrière le pilier, je fais rien. Voilà, gratuit. Eh, il va me saouler, j'allais me faire un autre boss, ça continue moi. Putain. Oh là là, je te jure quoi. Quel boss de merde. Ah, je vais aller voir ailleurs si c'est comme ça. Ah non, parce que sérieusement, là, c'est vraiment n'importe quoi. Moi aussi, je peux gueuler. Ah, Boya! Tu es le dieu dragon? C'est rien face à moi.
n'es qu'une lopette, une merde. Tu ne sais même pas te battre. Ah bah là c'est incroyable, cette fois ça aura marché. Oh merde. Oh oui, il m'a one shot avant même d'attaquer. Quelle attaque de malade, quelle puissance. Il a même pas attaqué, il a juste planté sa griffe, ça m'a one shot. Ah merde. Alors là, elle est pas mal celle-là, tiens. Le dieu dragon qui me pose problème. J'ai jamais eu un seul problème avec lui, putain. Et là, but de force, ça y est. Ça y est, on n'y arrive plus. Putain, mais pourtant, moi, j'y suis allé à l'Ushigatana des fois aussi. Mon but de Sonic, il a un Ushigatana, j'ai jamais autant de problèmes. Attends, je rushais bien plus que là. Regarde ça! Non mais sérieusement! J'ai la bague du voleur, il ne regarde pas dans ma direction, il a les yeux rouges, regarde! Ça va le foutage de gueule puissance 25 000 ou... Alors ça c'est vraiment mais l'éclat total quoi. Il regarde complètement à côté, il est là... J'ai entendu quelque chose alors que tu as une bague qui... permet de ne pas faire en sorte que je t'entende. Pas grave. Bon, on va attendre qu'il regarde de l'autre côté du coup, même s'il met 2 heures à tourner sa grosse tête de merde. Mais sans déconner, je peux... Là c'est un bug, là c'est un bug, c'est pas possible. C'est un bug, y a pas d'autre solution. Je peux pas réussir ce boss, je ne sais pas. C'est un bug, c'est pas possible. D'habitude, putain, mais j'arrive, pof, pof, je mets les deux coups, je me casse direct. Ça passe tout seul, là, c'est quoi ce problème? J'ai jamais vu ça de ma vie. Comme quoi, le jeu, il te réserve de bonnes surprises encore. Putain, et après cet archidémon, j'en ai encore un. Et lui, je sais pas comment je vais le battre. J'aurais mieux fait d'aller dans le monde 4, si j'avais su. Puis maintenant, je peux aussi aller légalement dans le monde 1-3. Mais ce sera plus drôle de les faire l'un après l'autre. Je pense 1-3 et 1-4 et après on a fini. Parce que le 1-4 le 1-4 il est horriblement dur. Tu peux pas me voir puisque tu me regardes pas, tu peux pas m'entendre parce que j'ai l'anneau spécial.
Ouais. Casse les couilles. Casse les couilles. C'est juste à cause de ce passage-là, en plus j'y arrive pas, c'est un truc de malade mental. Un truc de fou. Ouais, dernière tentative sinon j'abandonne, hein, c'est le cas. C'est une vidéo détente à la base, c'est pas rage. Il ne me voit pas, il ne m'entend pas. Et j'ai rien dit. N'empêche, quand tu le regardes bien, le dragon, on dirait vraiment qu'il a pris des stéroïdes, tu sais, il est putain de musclé. Je voudrais voir en fait où est-ce qu'il regarde. Allez! C'est... Non, honnêtement, le boss il me saoule là, je comprends rien quoi. Je suis planqué derrière le pilier et... Non, il m'attaque quand même. C'est... Ça m'a jamais fait ça! Je l'ai fait, mais peut-être 25 fois, j'en sais rien. Sérieux! Boss de merde là. Je comprends rien, je suis derrière le pilier, il me voit quand même. Alors que normalement, s'il me voit pas, il devrait repasser aux yeux jaunes quoi. Ouais, je sais, j'avais dit dernier essai, mais chut. Vous savez que je n'aime pas perdre. Ouais, c'est quand même vraiment abusé. J'ai jamais vu un foutage de gueule pareil. Je peux jamais dire c'est un boss facile, ok j'ai compris. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est, il gronde, il regronde pour dire je vais t'attaquer, et... Ah non. Ah là, pourquoi tout à l'heure il l'a pas fait alors, cette espèce de connard. Je suis passé entre deux. En fait, il doit entendre quand je frappe le pilier, ce qui est complètement incroyable. Mais bon, allez, tu me fais chier, je me barre. Oh là là. En plus, à chaque fois, avec l'HDP vert, ça me fait des merdes. Je vais devoir passer 15 heures sur le montage. Mais ouais, du coup, ça me fait chier. Allez, hop.
Bye bye. Ah, c'est un truc de malade mental, quoi, ce boss. T'es derrière le pilier. Allez, salut. Et il t'attaque en 2 secondes avant moi, mais le temps qu'il m'attaque... Je sais pas, j'avais l'impression que je pouvais courir le marathon, tu sais. Genre, il foutait sa patte, j'étais déjà derrière, et hop là. Allez. Et du coup, ça m'a énervé, donc on va aller faire le monde 4 rapidement, là. Ça n'a rien à voir, mais rien à voir. Ça m'a énervé, du coup, je vais aller faire un boss qui est aussi chiant. Oh là là. Alors, on va au moins voir si je peux aller jusqu'au boss, déjà. Puis après, je vais pas tarder à m'arrêter, là, dans 10 minutes. Parce qu'il faudrait quand même que j'aille bouffer, il va être midi et demi. Comment ça se fait tard? C'est la première fois qu'il me fait un truc aussi merdique que le roi dragon d'habitude. Enfin, le dieu dragon d'habitude, je sais pas, ça se passe très bien. Pas compris. La bague du voleur, là, elle est primordiale au moins pour le début. Reste Tom, cool. Et hop! Cinématique. Voilà, pour un truc qui ne sert à rien. Bonjour, je suis un monstre absolument infâme. Bon, de retour, hein, excusez-moi pour... Bon voilà, nous sommes de retour, excusez-moi pour cette petite interlude. Puisque l'HDP vert a légèrement planté, donc... pour ça, j'adore capturer sur PS3. Du coup... Putain, mais il l'a refait, hein. D'accord, donc il me le fait à chaque fois. Très bien. Je suis pas censé avoir une armure qui protège de la magie, en fait. Et je sais pas, pour me la mettre aussi bien, putain, oh. Allez. Donc en fait, je sais comment le faire, hein, ce machin, mais... Je pensais juste pas que, tu sais, ça allait se passer à chaque fois comme ça, donc ouais. Si vous faites comme moi, vous pouvez le faire 100 fois d'affilée, il se passera 100 fois la même chose. Cette faucheuse va vous baiser la gueule à tir de magie. Donc du coup, en fait, ce qu'il faut faire, c'est se laisser tomber dessus. Mais je sais pas où elle se trouve, merci la caméra. Par là. Eh non! Voilà! Mais c'est pas vrai, mais tu vas me laisser tranquille, connasse! Regarde ça! Puis elle te spam, là! Allez, j'ai que 10 minutes, là, même pas, allez, il me reste 8 minutes, on va dire. 8-9 minutes, allez. Putain, mais sans déconner, faucheuse de merde, là. Et là, vous allez me dire, mais t'aurais pu te la faire au corps à corps. Ouais, mais... Alors, ce qui arrive très souvent, c'est que même si elle prend des coups, ben, elle est pas stun, et du coup, ben, tu la te frappes, et elle est là, magie! Pff, one shot. C'est ce qui me gave, en fait, je sais. C'est même pas un boss, c'est de la merde. C'est bon, j'ai réussi. Maintenant que la porte est activée. Âme du soldat inconnu, parfait. Allez, go! Non 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 non. Vous saignez, je suis mort, connard. Oh putain. Oh non. Je me suis dit, allez, ça passe, que dalle. T'as ce monde, 4-2. M'en fous, je connais un skip de la mort. Si j'arrive à l'exécuter, on va bien se marrer. Oh non, mais je me suis dit, allez, c'est bon, ils vont me foutre la paix. Ah non, que dalle. C'est ce genre de mob qu'il faut dans Dark Souls 3, là, bien relou, là, tu sais, qui... Ça m'énerve très très souvent, c'est quand les mobs, tu sais, tu les vois, ils te pourchassent en courant, avec l'arme à la main, et tu sais que s'ils arrivent vers toi, tu sais, ils vont pas, genre, s'arrêter et t'attaquer, non, ils vont t'attaquer en courant, et... Ça, c'est génial, quoi, en fait, pour le coup. Bonjour. Voilà, un de moins.
Est-ce que je peux attaquer? Est-ce que ça te dérangerait de me laisser attaquer? C'est quoi ce bordel? Boum 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 da poum mort. Ouais, je peux attaquer. Est-ce que je pourrais attaquer à un moment ou à un autre? That fail. Je peux pas rester sur des fails pareils, bordel. Ma réputation est en jeu. Ma réputation de noob, de naze à ce jeu. Ah, ça, moi c'est bien, ça permet de dire aux gens qui me disaient que j'étais très bon à ce jeu que je suis toujours un sac à merde. Putain. Voilà. Bon. Il faut en attirer un. Regarde ça, ils me suivent même dans la mort tellement ils veulent me la mettre quoi. Non, tu ne crèveras pas par le la gravité. Non, tu crèveras par mon épée. Je crois que je n'arriverai jamais à la deuxième partie de ce niveau, tu vois, même pas. Putain, quelle merde. On peut d'ailleurs farmer cette espèce de faucheuse hein, assez facilement pour qu'elle nous donne beaucoup d'âme et donc on puisse monter en niveau assez rapidement. C'est le spot de farm, il est là. Hein. Cherchez pas plus loin, il est là. Bon, est-ce que tu avances ou... Voilà, c'est ça qui m'énerve, c'est qu'ils font beaucoup de dégâts mais qu'en plus ils ont plus de vie. Pas de l'air, cool. J'en ai déjà un, mais si. Messieurs. Oh, j'ai vraiment cru qu'il allait me faire encore passer par-dessus bord. Reste d'âme, ok. Alors. L'herbe de la pleine lune. Par contre, je sais plus par où est-ce qu'on est censé. Oh bah, juste là. Bonjour. Salut. Alors, il est pas beau mon petit skip? Hein? Pas moi qui l'ai inventé, hein, de toute façon, moi j'ai inventé. Mais franchement, il est beau celui-là. J'aime beaucoup. Voilà, donc la deuxième partie du niveau, et qui est pour moi la plus compliquée, hein, c'est celle-là. Donc on a ça. Alors, j'espère vraiment qu'il va craindre ce que je vais... Oh oui! Oh oui! Merde. Merde. Bon bah voilà, je peux aller jusqu'au boss normalement. Sauf si événement inattendu de dernière seconde, mais normalement ça devrait être bon. Eh bah putain. Âme du soldat célébré. Très bien, boss du monde 4. Oh non, je suis tombé. C'est pas grave, c'est pas comme s'il y avait 40 milliards de limaces qui... Voilà, n'attendent qu'une chose, c'est de me péter le cul. Truc blanc qui cale, merci. Non, là y'a rien. Si, par là. Je m'en rappelais pas. Hop là, brouillard! Âme du soldat légendaire.
Merde. Avant de continuer, bac du voleur. Voilà, c'est bon. Je suis tout puissant. Et à moitié virtuel. C'est l'heure du duel. Allez, viens de battre, mon gros. Je suis prêt à t'accueillir. Ce qui est génial, c'est qu'il est aveugle et qu'avec la bague du voleur, ben, il m'entendra pas. Quoi, vous avez dit cheaté ? Non. Je savais pas que ce serait un sac à PV aussi, aussi sévère. Je me souvenais pas qu'il avait une AOE. Depuis quand t'as une AOE, toi? Alors là, putain, on en apprend tous les jours. Putain, depuis quand il a une AOE, ce con? Bah, il m'entend pas, il me voit pas, le combat est ridicule. Et le seul truc qui fait chier, c'est qu'il a 15 milliards de points de vie. Donc il tape dans le vide, en fait, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mais où est-il? Flèche sacrée, cool. Je sais pas s'il faut utiliser le truc blanc qui colle. Je sais pas ce qu'il craint ce machin, si c'est le feu, la magie. En tout cas, c'est pas les dégâts physiques purs. Hein. Bah attends, tu sais quoi, on va tester. Ok. Ah, il a juste une défense de corps. Ouais, si vous le tapez trop, en fait, il va savoir que vous êtes là. Et bizarrement, il va taper pile où vous êtes, hein. Allez, on va le finir. Taste de Pouille. Vieux héros. Ouais. Vieux zéro, j'aurais dit. Ouais, c'est par là-bas. Et âme de démon héros et plein d'âmes pour Bibi. Retourner au Nexus. Ouais. En fait, ce que je me demande surtout, c'est... Est-ce que je peux me faire le boss d'après? Putain, cette session qui n'en finit plus. Oh, sérieusement, en temps de vidéo brute, je dois en être à plus de 2h30. Cette session qui n'en finit plus. Bonne morde. Recherche. Mais bon, on fera ça pour la prochaine fois. Faut quand même que je m'arrête un moment. Attends, avant de monter en niveau. Et pareil. Voilà. Oh putain, l'armure elle a pris cher. Ok. Rechercher. Voilà, je cherche de la force brute. Putain, si seulement je pouvais encore monter quelques niveaux. Ah, faut juste que je tue un monstre, hein. Hop. Pas de l'air, le bouclier en argent sombre. Ah bah j'aurais dû prendre ça, tiens, pour... je suis con. Je suis sacré. En fait, le bouclier en argent sombre, le seul truc qu'il aime pas trop, c'est le feu, quoi. Mais bon... Ça se trouve, c'est toujours mieux que mon pavois sombre. En feu, je sais pas, y'a rien d'écrit, donc ça m'énerve un peu. C'est pas écrit la défense de feu. Ouais. Donc je peux pas savoir en fait. Sinon, ouais, c'est sûr que ce bouclier est mieux pour le reste. Hein. Bon. On verra si j'affronte un magicien ou quoi.
Bon, pour l'instant, je suis très bien comme ça. J'aurais bien aimé tester le boss quand même. Bah, allez, une fois. Une fois, pas deux, et après on s'arrête immédiatement. Pas de deuxième chance, de rien du tout. Juste au moins pour voir les dégâts de l'épée que je vais choper là-dessus. Parce que ce sera ma seule défense contre le boss. Ma seule attaque surtout. Voilà le boss. Un peu déçu quand même, hein. C'est juste une raie mais version plus grosse. Ça aurait pu être le roi des squelettes, je sais pas. Alors que les raies, si t'as toujours l'anneau du voleur, dès que tu fais pas gaffe, tu les vois jamais finalement. Bon là on va passer. Hop. Voilà, désolé. Alors attends, qu'est-ce que... Ah merde, je pensais que c'était un message. Ah voilà, prenez garde à embuscade de l'ennemi. Bon, je ne vois vraiment pas de quelle embuscade tu parles. Seulement une quantité incroyable de mobs. Ce qu'il faut, c'est réussir à choper... Il faut réussir à choper cette putain d'épée. Non. L'épée des mille vérités. Maître de la tempête. J'active ton pouvoir secret. Elle fait quoi en type de dégâts? Ouais, d'accord. Oh là, je suis lourd. Ça va être la merde de buter autant de raies. Je connais pas du tout la portée de l'arme, alors forcément. Ah putain, c'est vrai qu'il te loot des trucs. Éclat de pierre nébuleuse. Sympa. Putain, que j'en avais chié pour farmer les morceaux de pierre nébuleuse. C'est le roi qui arrive. Une tempête se déferlant sur le champ de bataille, ça ne peut être que le roi.
J'aime les attaques dans le vent. Voilà, ça lui fait rien. On va te faire foutre. J'adore les attaques dans le vent. Ma grande passion, tiens. Passer par là. Il est déjà de retour. Il a déjà fait son virage. Ah mais sérieux ? Tape dans le vent là pendant 12 heures. Même la raie là elle est invincible vu que... Ah bah voilà. Merde. Taste de bouilla, plus une raie sur le terrain, sauf ma raie du cul bien sûr, ça on n'y peut rien hein. Écoutez, en slip, en slip. Ah bordel. Eh bah c'est ce que j'appelle du travail bien fait. Regarde moi ça, 60 000 âmes. Bon, par contre t'es gentil là, voilà, on va se remettre tout ça, hop, pierre nébuleuse pure, ça fait plaisir. Et oui, il retourne au Nexus. Bon nom de Dieu, qu'est-ce que je peux être content là pour le coup. Pas mal, pas mal. Y'a que le putain de dieu dragon de merde, je sais pas pourquoi il veut pas crever. Et la musique a changé. Il en reste plus beaucoup d'archidémons en vie. La liste se réduit petit à petit. En tout cas, je suis content de ce petit but de force, ça fait plaisir. C'est rigolo. Surtout que cette arme, c'est surtout l'arme c'est qui me fait vraiment rêver. Quoi. La pierre nébuleuse pure, tu peux la garder. Mettre de la tempête, tu le gardes. Le reste, je garde. Allez hop, salut. Toi. Recherche pouvoir d'âme. Oh, enfin 40 en force, putain. Nickel. Alors on va se mettre 25 en endu. Voilà. Oh bordel. Ah ça fait du bien là. Ah. Bah c'est marrant, j'ai perdu des...
J'étais pas à 200 en arme droite, hein. Bah c'est marrant, tu vois. J'étais à 200, non? Là je suis à 195. J'ai bien réparé mes armes pourtant. Bon. Alors là, je sais plus. Ah bah d'accord, parce que je la tenais à deux mains. C'est parce que je pensais. Bon. Et bien voilà, c'est cette musique assez sympathique. Que je vais terminer cette session. Putain, elle aura duré celle-là. je pensais vraiment, dans ma tête, j'étais là, allez, on se fait tous les archidémons. Bah, on aurait pu, mais le dieu dragon, il avait pas très envie. Et puis bon, bah, le roi Aland, tout ça, on verra plus tard. Hein. Ça, ce sera dans la, je pense, dernière vidéo, peut-être, si tout se passe bien. Le monde 1-3, c'est pas trop compliqué. Le dieu dragon, je sais pas, il a pas envie de mourir. Et le roi Aland, eh ben, j'ai hâte de me le faire avec cette arme, pour voir. Parce que c'est vrai que je suis pas trop habitué, tu vois, de me le faire... Ouais, je sais, encore, la magie. Non, je l'ai déjà battu au corps à corps plusieurs fois, mais... Je l'ai déjà battu avec un fauchon du croissant plus 2, pour vous dire à quel point je jouais mal avant. Bref. Allez, je suis sûr que vous apprécié donc toutes les vidéos de Demon's Souls jusqu'à présent. Et je vous dis à très bientôt pour la suite, et peut-être la fin, de nos aventures sur Demon's Souls. Allez, salut. And don't forget to taste the booyah, yeah!